C'est pour nous chanter grand bon Dieu depuis qu'il y a pour tout temps gain temps. Frère Maxime, c'est avec parole ça que me salue nous dans nom Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Moi dis nous merci parce que toujours aimé et branché émission ça. Émission ça c'est vérité biblique, c'est une émission qui passait chaque dimanche côté que nous parlait de la Bible, nous éclaircit en pile sujet qui gagne dans Bible. Et nous excusez-nous auprès de vous-même parce que l'émission n'a pas de cas diffusée dimanche à cause de gains problèmes techniques. Je dis à nous parler de promesses bon Dieu fait sur la vie nous. Est-ce que bon Dieu a abandonné nous? Il y a pile situation que vous arrivez, vous pouvez poser cette question pour dire est-ce que bon Dieu a abandonné nous? Il y a des situations où vous vivez vraiment comme chrétien, où vous sentez que tout le monde a quitté, où vous sentez que tout le monde a abandonné, mais est-ce que bon Dieu l'a abandonné? Donc c'est ça que nous parlons dans l'émission ça je dis à. Avant de continuer, n'a pas petit pause tout court, n'a tout net à l'heure. Jean-Baptiste Franzi vous apporte une émission vraiment spéciale et spirituelle. Vérité biblique. Vérité biblique, une émission pour l'édification et la sanctification de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous retournons après pause là, frère Maxime, et nous disons merci pour fidélité et patience. Et je dis à nous pour parler de abandon. Est-ce que bon Dieu a abandonné nous? Est-ce que promesse bon Dieu était toujours fait sous la vie nous, pas respecté? Bien pile fois qu'on arrive dans des situations côté qu'on pose cette question, est-ce que c'est pas seulement que nous ça? Situation que ma vive là, est-ce que gen l'autre monde qui well? Est-ce que bon Dieu pas abandonné? Est-ce que le pas couru quitté? Eh bien, à travers émission ça nous vient d'aujourd'hui à quelle que soit situation que vous ayez, hein, bon Dieu li pas quitté, bon Dieu li pas abandonné, bon Dieu toujours là sur tout, li toujours là pour vous. Gen pile situation qu'on rive, j'aime doulan, madame, papa, petit, tout le monde couru quitté, ou senti que vous sur route là seul, gen des humiliations que vous comprend, par exemple dans la vie ou. Donc vous demandez que est-ce que bon Dieu li pa wè ou? Eh bien, à travers émission ça me vinn dire que bon Dieu li toujours là et promesse li yo li fait sous la vie ou là y a respecté peu importe la situation, toujours été croyant, toujours été dans le vrai chemin parce que bon Dieu toute promesse qu'il fait sous la vie ou yo a toujours respecté. Psaume chapitre 37 le verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Ou pas besoin inquiéter ou pour situation que on vive là. Ou pas besoin inquiéter parce que bon Dieu lui connaît que là. Bon Dieu lui pas abandonné ou. Même si tout le monde t'a abandonné, il y a des maladies que on fait, tout le monde peur, il y a des maladies que on a souffri, tout le monde envie courir quitter ou. Parce que yo estime que yo capable contager maladie ça avec yo même, mais bon Dieu il est toujours là, il toujours bon côté yo. Même si tout le monde court quitté yo, même si tout le monde dit yo pas reconnaître tout comme monde, même si yo humilié, mais bon Dieu il est toujours là. C'est une façon pour me dire toujours faire bon Dieu confiance, peu importe la situation, toujours faire bon Dieu confiance, mettre confiance dans bon Dieu parce que il est toujours là pour le protéger. Gère des situations ou à vivre, gère des côtes qu'on rive où elle a moins face. Donc si c'est pas bon Dieu qui est là pour vous, me garantir au frème, me garantir au sème les comme ça ou pas là. Donc quelle pire grosse situation que t'es que en pile monte connaît que bon Dieu pas t'avait et bon Dieu toujours là ou même situation pas là ou après durer pour l'instant ou senti que ou tout monde t'a voulu courir quitter ou senti que pour contour et bien veut dire ou prend courage parce que bon Dieu lit là ensemble avec vous et le pas jamais laguer peu importe la situation car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Psaume 37 le verset 28. Tout le monde qui était fidèle à bon Dieu, li pa jamais lâcher ou, li pa jamais abandonner ou. Ou qui ont maladie, ou pas besoin peur. Ou qui ont problème qui a tracassé, ou pas besoin peur. Bon Dieu li là. Psaume 37 le verset 28. Bon Dieu pa jamais abandonner fidèle li yo. Bon Dieu pa jamais abandonner petit li yo. Ou pas besoin questionner bon Dieu parce que il connaît situation que on vivre là et c'est sûr il a une réponse à lui-même même si on a réponse là pour qu'on vienne mais bon Dieu qui a une réponse à lui-même fait bon Dieu confiance parce que bon Dieu a toujours là pour vous. Donc faut que nous toujours fait bon Dieu confiance la situation que nous vivons la situation que nous y yo même si nous t'as senti que tout le monde voulait ba nous dos. Parfois, on connaît des situations, même frères, sœurs, l'église, tout le monde abandonné.
Mais bon Dieu, dans sa grâce, dans sa compassion, il dit non, il pas jamais abandonné, il est toujours là pour vous. Ou pas besoin de crier, ou pas besoin, comme si a fait des bagailles pour poser la foi aux questions. Bon Dieu là pour vous. Restez dans silence, priez, demandez bon Dieu force pour capable endurer souffrance. Parce que des souffrances que qu'on a pas endurer, ça permet que ou même profondément ou senti que ou gon force intérieure. Ça permet qu'on vienne plus résilient que possible parce que ça permet que tout gain des situations que ouyé moun côté qu'on compte sur yo. Donc c'est pas sur yo vraiment pour compter. À travers situation ça bon Dieu montre que vrai monde pour compter sur lui c'est lui-même. Ça qu'on rivé ou qu'on compte sur tonton ou relé il pas disponible ou qu'on compte sur ma tante ou relé il pas disponible ou qu'on compte sur ménage là ou relé il pas disponible ou qu'on compte sur Maria ou relé il pas disponible mais bon Dieu toujours disponible. Téléphone n'est pas jamais en panne, téléphone n'est pas jamais tête, quel que soit l'air que relé bon Dieu ou toujours joindre. Proverbe chapitre 10, le verset 3. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Bon Dieu, pas quitter nous mourir grand goût. Bon Dieu, pas quitter nous mourir dans la souffrance que nous y a. Bon Dieu a toujours là pour nous. Fais confiance simplement. Il est toujours là. Il est toujours là et il n'est pas jamais changé. C'est même lui-même qui était là dès le commencement. C'est lui-même qui est là et c'est lui-même qui a toujours là. Pas inquiéter ou des situations que vous avez vivre là. C'est vrai que me connais situation que vous avez vivre dans moment li vraiment intolérable, li insupportable. Il des situations qu'on a vivre ou crier matin, crier midi ou crier après-midi. Moi connais ça. Mais pas oublier frère, pas oublier somme. Bon Dieu qui a une surprise. Bon Dieu qui a des bagages que le serré pour rester juste dans le vrai chemin et bon Dieu pral le tracer en pile bagages pour. Donc pas courir quitter route là. Pas courir quitter bon Dieu, toujours été dans fidélité parce que bon Dieu les gagne en pile bénédiction, en pile faveur, en pile grâce pour nous. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, même si situation que on vive là les paraît vraiment inconfortable, mais fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance parce que bon Dieu, pas jamais la guerre. 1 Samuel chapitre 12, le verset 22. L'Éternel n'abandonnerait point son peuple à cause de son grand nom. Bon Dieu, pas abandonner peuple. Peuple haïtien, je dis, il y a des souffrances que nous vivons vraiment. Nous demandons, parmi tout peuple, est-ce que nous comptons? Est-ce que nous comptons dans les yeux, bon Dieu? Eh bien, je viens dire que bon Dieu, il connaît tout ça que nous avons enduré. Bon Dieu connaît tout ça que nous avons enduré. Ou même qui c'est une madame qui gen mari ou peut-être qui a fait passer misère ou senti que la vie a pas gagné sens pour vous, eh bien bon Dieu la pour. Ou même qui gagne madame ou tout ça que vous fait ou fin marié avec lui ou sinon ménage ou senti que vraiment il pas comprendre ou senti vraiment que il pas besoin encore faut passer misère, eh bien me dit bon Dieu la pour. Ou même qui gagne petite là ou fin fait petite là et puis petite là calé ou met sous ça ou senti que ou pas tout fait petite ça ou senti que tout mauvais moment yo vinn pour ou, et bien me veut dire que bon Dieu li là pour ou, et li pas jamais abandonner quel que soit situation que on vivre là. Bon Dieu li pas jamais quitter ou là toujours là pour ou. Et bien nous voyons que nous par exemple Daniel dans force au lion hein, les que tu gagne pile problème en pile monde connaît lion ou pral manger Daniel, eh bien bon Dieu l'était nan mitan force au lion ensemble avec Daniel, elle t'est protégé, lui t'est protégé. Nous même jodi a k'ap soufri, nous même jodi a ki senti que nous pou kont nous même jodi a ki senti que en pile mauvais moment a tracassé nous pas comprendre, eh bien vle di nou que bon Dieu, il n'a jamais abandonné nous, il est toujours avec nous, quelle que soit la situation que nous vivons. Deutéronome chapitre 31, le verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Bon Dieu, toujours là pour nous. Il marchait
quel que soit côté nous prenons le marché ensemble avec nous, les marchés devant nous, les marchés après nous, les toujours là pour le surveiller nous. Bon Dieu, pas blaguer nous, non mais méchant. Fais bon Dieu confiance, quelle que soit situation que nous vivons. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27, le verset 10. Même si papa, même si maman, même si tout le monde a abandonné, eh bien bon Dieu, il veut dire que le pape jamais abandonné. Il a toujours la peau, il ne peut jamais abandonner. Fais bon Dieu confiance dans ce que vous vivez là. Fais bon Dieu confiance dans ce que vous endurez. Fais bon Dieu confiance, même si le moment vous paraît noir. Fais bon Dieu confiance, parce qu'il a toujours la peau. Pas jamais décourager dans la vie. Hein? Même si la situation paraît difficile, pas jamais décourager, même si vous sentez que il y a un pile bagay qui a passé mal pour vous. Pas jamais décourager, même si vous sentez douleur, yo pas camper. Pas jamais décourager. Fais bon Dieu confiance dans la vie. Et c'est une meilleure façon pour capable toujours être fidèle avec lui. Les qu'on fait confiance. Peu importe la situation, Dieu sera toujours là pour toi. Fais confiance parce que lui pas jamais abandonner, on l'a toujours là pour. Situation que on va vivre dans moment yo. Situation que on va vivre dans moment yo. Tristesse yo, désolation yo. Je veux dire que bon Dieu est toujours là pour. Pas jamais oublier, peu importe la situation, bon Dieu a toujours là pour. Fais-le confiance, mettez confiance dans lui. Priez, entrez dans la chambre, priez. Mandez bon Dieu force et courage. Mandez bon Dieu détermination. Mandez bon Dieu tout ça yo. Et c'est sûr que la parole. Maladie au gain, problème, souffrance, douleur que vous avez enduré yo. Juste fais bon Dieu confiance. Lui là pour, là toujours là pour. Parce que lui c'est bon Dieu. Lui c'est maître. Lui c'est tout bagaille. Donc fais bon Dieu confiance. Parce que lui connaît que ou là. Je connais que Gampil mon moment qui a souffri. Je connais Gampil mon moment qui n'a pas mangé pour yon manger. Je connais Gampil mon moment qui n'a pas connu ça pour yon faire. Je connais Gampil mon moment qui a souffri en pile. Mais je veux dire que. Bon Dieu, il est là pour nous. Il est toujours là pour nous. Même si vous sentez que la vie a fini pour vous, même si vous sentez que vous n'avez pas d'espoir pour vous, même si vous sentez que il y a un pile de bagages qui passe drôle dans la vie, côté que vous sentez qu'il y a un pile de monde qui oublie, mais bon Dieu, il est là pour vous. Je connais un pile de monde. Dans le quartier populaire, surtout qui n'a pas mangé, qui n'a pas boire, qui n'a pas eu un pour mettre sur yo, qui vraiment dans le désespoir, qui n'a pas senti que yo a vivre, même vle dire à travers l'émission ça. Toujours été prié, fait bon Dieu confiance parce que l'a toujours là pour. Merci bon Dieu pour la vie que vous avez, merci pour tout ça que vous fait pour nous, merci parce que vous toujours là pour nous. Merci parce que à chaque instant, vous toujours pas au côté, nous pas jamais laguer, nous pas jamais abandonner nous. Même si tout le monde t'a abandonné, nous toujours là pour nous. Nous disons merci pour ça. Nous demandons au bon Dieu toujours là sur route, nous. Toujours protéger nous. Toujours protéger la famille nous. Toujours protéger le projet nous. Toujours aider nous, guider nous sur le vrai chemin. Comme ça pour ne pas dérouter. Nous demandons pardon pour un pile fois, ça nous dit, ça nous fait, qui parle en volonté. Nous demandons pardon pour tout ça. Nous demandons pardon pour tout jeune nous. Nous demandons pardon pour toute faute que nous faisons. T'en prie, bon Dieu, aidez-nous. Et permettre que tout ça nous fait. C'est vous-même qui guidez nous. Nous prions, ce n'est pas la qualité du monde qui est bon que nous y est, mais nous prions au nom de Jésus-Christ, grand frère, nous. Amen. Merci en pile pour tout le monde qui t'a suivi l'émission. Merci en pile parce que nous sommes toujours là. Merci en pile parce que nous apprécions l'émission. M'a dit non. À bientôt pour une autre émission. Alors, excusez-moi parce que nous sommes un petit c'est parce que. Situation yo, c'est parce que et gens que m'a gardé bagay yo, si j'ai vraiment froissé moi et souhaitez que bon Dieu dit en parole. M'a pas dit plus que ça. À bientôt pour une autre émission. Merci. Jean-Baptiste Friends dit vous apporte une émission vraiment spéciale et spirituelle. Vérité biblique. Vérité biblique, une émission pour l'édification et la sanctification de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.